Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. Je vous avoue, je crois que vous pouvez le deviner à ma tête, aujourd'hui est un jour assez difficile. C'est même pas difficile moralement en fait, c'est juste que là je... Oh là là, mais là mais je sens tous mes os et tout là, regardez-moi ça. Ah, je n'ai pas d'âme aujourd'hui, je me sens vraiment vide d'énergie. Je crois que ça s'entend, je marchais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde me regardait en mode « C'est qui ce cadavre ambulant ?» Je suis trop drama queen, il faut que j'arrête, mais bon bref. Demain c'est la recharge, donc il faut juste que j'attende que cet après-midi passe. En plus de ça c'est cool parce qu'aujourd'hui j'ai pas de cardio, je prends mon jour off, donc il me reste plus que des pas à faire cet après-midi. Je dois chanter et en fait c'est ça à la base que je voulais vous montrer, je me suis fait un petit kiff, plutôt que de manger du poulet, j'ai acheté des crevettes. Ça coûte quand même super cher, donc c'est pas quelque chose que je mange très souvent. Très contente de mes petites crevettes, donc j'ai 100 g de crevettes et mes pommes de terre comme d'hab post-training. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé autre chose que du poulet en protéines, donc c'est cool, ça va me changer un petit peu, j'espère que je vais digérer. Normalement, je pense que oui. Il est 19h passé et il me reste genre 4000 pas à faire, du coup je vais aller chez Néonaz vite fait. Je vais aller mettre une petite vidéo YouTube et puis voilà, je vais aller faire mes petits pas, tranquillou pépère. Aujourd'hui c'est mon jour de recharge, on est jeudi, je suis très contente. Bizarrement, je ne suis pas aussi heureuse que jeudi dernier, le jour de la recharge. Je crois juste que mon énergie en fait là, nourriture ou pas, c'est genre pff, un peu en chute libre. Bon, quoi qu'il en soit, je suis quand même très contente. En plus j'ai que du cardio à faire aujourd'hui, je pense que je vais faire cet après-midi. Là il est 10h30 et j'ai décidé de sortir. Je vais aller me balader un petit peu dans mon quartier. Je vais aller je pense chez Mariono m'acheter une palette pour mon make-up que je vais faire pour la Macédoine. Pour la Macédoine, je vais faire mon make-up et mes cheveux moi-même. Et pour Europe, là j'ai booké une make-up artiste. Je vais aller acheter une palette que je peux trouver que à Mariono et pas chez Sephora. Et je pense que j'irai au Starbucks aussi, j'ai pris mon livre avec moi, mon sudoku. Et aussi je voulais faire une petite intervention toute rapide par rapport aux réseaux sociaux. Je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo morning routine qui date d'il y a bah, presque un an maintenant, mais en vrai ça n'a pas changé. En ce moment je coupe Insta à 22h le soir et je l'ouvre que à partir de 10h du matin. Et là vous voyez il est 10h30 et j'ai toujours pas ouvert Insta. Et je pense que j'ouvrirai Insta que quand je serai arrivée au Starbucks. Donc aux alentours de, je sais pas, genre 11h du matin, un truc comme ça. Parfois il m'arrive de mettre des stories, genre d'aller sur Insta, de mettre juste une story et de quitter direct après. Généralement mon téléphone il reste en mode avion au moins une heure après mon réveil. Assez discuté, on va aller, et ben on va sortir. Et je suis trop contente, hier j'ai fait une commande Zalando de baskets, j'avais très envie de me racheter une paire de baskets blanches. Je suis pas du tout confortable de vous parler comme ça. J'avoue j'ai craqué en last minute, j'ai vu un pantalon qui était à moins 50%, je sais même plus ce que c'est la marque. J'ai vu, mais un pantalon qui a l'air cool, que je vous montrerai ça si je le reçois avant dimanche. J'ai aussi acheté des trucs pour mon appareil photo, une lumière que je vais fixer parce que j'ai trop peur qu'en Macédoine la lumière elle soit pourrie et du coup genre que ça me pourrisse mes plans, que je pourrais potentiellement filmer genre dans ma chambre d'hôtel ou quoi. Et aussi j'ai acheté deux cartes mémoire, bon ça on s'en fout. Il recommence à faire super froid dehors. Et je suis censée recevoir une paire de lentilles, je ne vois toujours rien, j'ai toujours mes lunettes que je refuse de porter. Ça fait trop longtemps que je les attends, j'espère que je vais les recevoir aujourd'hui. Let's go! Je suis revenue de mon petit Starbucks.
Starbucks. Ce matin, j'ai eu un poids le plus bas de 57,7 kg, trop contente. L'année dernière, à mon poids de scène pour ma première scène, j'étais à 57,8, c'était mon poids le plus bas de toute la prépa. Ensuite, pour les finales, donc 2 semaines après, je suis descendue au plus bas à 56,3. Mais en gros, hier et donc aujourd'hui, j'ai atteint mon poids de scène de l'année dernière, alors que je suis à 16 jours de ma première compète et un mois des championnats d'Europe. Donc très très contente. Bref, là j'ai mon petit riz qui cuit. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je le cuis. En gros, je mets vraiment très peu d'eau. Ensuite, j'attends que ça boue. Et puis, je vais couvrir et je le mets vraiment au minimum. En fait, j'ai pas besoin de passoire, ça fait un peu comme une cuisson type risotto. Et là, donc, je laisse couvert au moins une demi-heure. Bienvenue dans mon studio, le posing. Je suis à Fitness Park d'Hydro et je suis dans la salle des vélos et il n'y a jamais personne. C'est là où je fais toutes mes séances de posing. Je viens de terminer mes 50 minutes de cardio. C'était dur, c'était chiant, j'en avais marre, mais c'est fait. Et là, du coup, je vais faire du posing et ensuite je rentre à la maison et crème de riz. C'est cool. Et les lumières, elles sont cool ici. Nice. Allez, venez par là vous. Il est temps de rentrer à la maison pour manger. Salut coach, j'ai réalisé hier soir que depuis hier, au niveau du poids, en fait c'était mon poids de scène de l'année dernière, de ma première scène. Et on est à J-16 de ma première compétition. Je suis trop contente. Voilà, j'espère que tu vas bien. Ciao! Enfin, je veux dire, tu seras la meilleure personne placée pour comprendre pourquoi je serai éclatée. Tu peux déjà te noter que tu vas peut-être dormir chez moi le premier lundi, lundi 9. Et d'ailleurs, tu dors où? Oh là là! Je suis bien rentrée de la salle, je vais manger mon bol de crème de riz que j'ai préparé ce matin. Je vais rajouter 10 g de beurre d'amande et du sel et de la cannelle. Et juste après, je voulais juste vous parler un petit peu d'objectifs en fait. On est déjà à 4 mois de 2023 et c'est vrai qu'on se pose souvent des résolutions en janvier 2023, mais où est-ce que vous en êtes là dans vos résolutions? Est-ce que vous les avez tenues? Je vous dirai un petit peu après mes petites astuces pour ne pas me perdre et rester focus dans mes objectifs. Mais d'abord, je mange. I am back, le ventre bien plein, ça fait plaisir. J'ai tout mangé. C'était beaucoup trop bon. J'ai pas filmé parce que franchement, c'est tellement mon moment préféré de la journée. Une fois par semaine que j'ai envie de profiter à fond. Mais d'ailleurs, je dis ça, mais en fait, je sais pas du tout quel va être le plan. De toute manière, je filmerai mon bilan demain. Et d'ailleurs, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un petit comparatif de mon bilan de mercredi, donc après 6 jours bas, et celui de demain après le jour d'aujourd'hui. Pour vous montrer en gros la différence entre un physique plat en décharge pendant une semaine presque sans glucides et le lendemain d'un jour de refeed en fait. Pour revenir à mes petits objectifs de tout à l'heure, j'ai décidé maintenant pour chaque mois de me faire une page avec genre le mois de marquer en haut et puis mes objectifs. Faire ses résolutions en début d'année c'est cool mais je pense qu'on peut quand même vite s'y perdre tandis que si on se remet des goals chaque mois, voilà.
Donc je vais vous partager mes petits goals. Pour le mois d'avril, déjà participer à ma première scène internationale. En gros, j'ai mis mes goals et après j'ai mis des petites sous-parties. Donc idéalement faire un top 5, partir seule en Macédoine, même si je suis déjà partie seule au Cambodge d'ailleurs, j'ai fait des vidéos. Bah, ce sera que la deuxième fois que je voyage toute seule. Et surtout, mieux que le faire un top 5, être fière de ma shape. L'année dernière, j'étais hyper fière de moi parce que j'ai repoussé mes limites vraiment à fond, mais je savais que j'étais pas compétitive, je savais que j'étais pas assez sèche. Cette année, le but de refaire des compétitions, c'était d'être vachement plus compétitif que l'année dernière. Donc être fière de ma shape. Mon deuxième objectif, ça concerne YouTube, c'est juste un objectif du nombre d'abonnés. Pour ça, je vais essayer un maximum de faire 2 vidéos par semaine, puis de continuer de partager, vous mettre les liens, faire des shorts, etc. Le troisième objectif, c'est de finir le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est l'affaire Alaska Sanders. Évidemment, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, meilleur livre ever. L'énigme de la chambre, je sais plus combien aussi, très très bien. Et enfin, le quatrième point, patienter et accepter la phase d'évolution que je suis en train de traverser. Je me suis pas vraiment étalée sur le sujet parce que c'est personnel et j'ai pas envie d'en parler. Pour moi, 2023 a commencé de manière un petit peu difficile. Du coup, juste accepter cette vague d'évolution, de transformation, ne pas essayer de lutter contre ça, juste aller mieux. Et en fait, ces objectifs d'avril, je me suis surtout inspirée des objectifs que j'avais notés pour l'année 2023. Le journaling, c'est un super outil, je trouve, pour apprendre à se connaître, pour décharger son cerveau de toutes les pensées. Je pense que je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour mon bilan. Et voilà, bisous! It's a brand new day, let's go for cardio. J'ai fait mon bilan ce matin. Comme promis, je vous ferai un petit retour juste après mon cardio. Ce matin, Damien était très content de la shape et il m'a dit qu'on allait faire un bilan lundi et non pas mercredi, pour mon plus grand bonheur, pour pouvoir ajuster au plus rapidement possible parce qu'on est déjà à J-15 de la première compète. Yes ! Trop contente ! Merci Fatih pour le t-shirt, il est trop mignon. Donc voici mon bilan à gauche après 6 jours de décharge, donc presque sans glucides, on a des muscles vides de glycogène. Et puis à droite, on a le bilan de ce matin post-refeed après avoir avalé plein de glucides. Je vous laisse juste faire votre petite analyse et en même temps un petit shape update. J'ai retrouvé mon poids le plus bas ce matin, 57,7 kg. Comme je vous ai dit, on fait un bilan lundi. Donc aujourd'hui et demain, ça change pas. 50 minutes de cardio, demain j'ai mon lower, aujourd'hui je suis off training. Et je sens que vraiment je fonds, vraiment de ouf en ce moment. Je sens mes os, je vois ma peau s'affiner, tout. Enfin, c'est trop bien, je suis super contente. Je vais vous montrer mon petit déj. On a 100 g d'œufs avec 2 œufs plus le jaune que je n'ai pas cuit. 100 g de tomates et un bon café noir. J'ai mis de la cannelle et je vais rajouter un peu de sel. Je vais me régaler. En vrai, c'est hyper bon, je suis trop contente de manger ça le matin. Que tu n'as jamais ressenti, etc. Et le fait que des personnes disent qu'il faut arrêter d'écouter les conseils. J'ai acheté ce mascara la dernière fois et franchement, je le trouve trop trop bien. Je vous le recommande. Tu sais que t'es en sèche quand t'es obligé de te poser sur un banc pour reprendre un peu d'énergie là. Je suis dehors depuis genre 3 heures, j'ai énormément marché, j'ai fait 20 minutes de vélo et là j'en peux plus. Mais j'ai besoin de me reposer un tout petit peu avant de repartir. C'est ça la vérité d'être en sèche. C'est d'avoir l'impression d'avoir 80 ans quand t'en as 28.
Coucou les gens! Je voulais vous montrer plusieurs trucs. Déjà, j'ai reçu mes baskets. Ta 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 la! Je suis trop contente. C'est une paire de Nike très simple. Je voulais vraiment des baskets montantes comme ça. Donc je les ai reçues sur Zalando. J'ai hâte de les mettre demain pour ma petite séance. Le pantalon dont je vous avais parlé, je suis dégoûtée. Il y avait un défaut de fabrication. Je vais le renvoyer. Ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si c'est pas le cas, allez me suivre là-bas. Savent que j'ai reçu une petite gaine Slim Tom. Ça m'a coûté un bras, hein, clairement, genre 80 euros, je crois. Pour ceux qui me demandent l'utilité, ça me permet de ne pas engager ma sangle abdominale et donc de ne pas l'hypertrophier et de garder la taille la plus fine possible. Je la porte pendant mes entraînements, je l'ai portée hier, j'ai fait un lower avec. C'était un petit peu bizarre au début, mais bon, une fois qu'on s'est habitué, ça va. Et au moins, je sais que c'est de la bonne qualité. Et ensuite, je suis passée chez NYX, chez Mariono, en fait, ils vendaient pas la palette dont je vous avais parlé. En fait, ils la vendent que en ligne, du coup, vu que j'avais envie de la tester en vrai, je l'ai pas acheté. Du coup chez NYX j'ai acheté des fossiles pour la scène et tout simplement mon crayon à sourcils que j'utilise depuis genre 4 ans. Pareil eyeliner, j'ai découvert cet eyeliner il y a quelques mois et je le trouve incroyable. Je trouve qu'il est hyper facile à appliquer et puis il tient très très bien. Et j'ai acheté une petite folie en... J'ai trouvé ce fard à paupières liquide. Voilà mes petits achats. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bisous.